Good morning, Aleïdan, les sutures aujourd'hui, le Nishmat, Moriva, Beshmol, Ben Shlomo Zerman, Nissim, Ben Ahouda, Sarah, Batrana, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richa, Batraim, Nechemia, ainsi que le Fatah, Mori, Ben Rout, Peter, Chantre, l'Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perik Yudalef, Mishnah, Beged, She Yatsa, Chutz, Laklaim, Nichnas, ou Mechabso, Bemakom, Kadosh. Nitma, Chutz, Laklaim, Koro, ונכנס ומחבסו במקום קדוש, כלי חרס שיצא חוץ לקלעים, נכנס ושוברו במקום קדוש, נטמע חוץ לקלעים, נוקבו, ונכנס ושוברו במקום קדוש. משנה simple, mais qu'il faut juste introduire auparavant une petite notion de pureté et d'impureté. On avait déjà évoqué il y a quelques jours un principe que ne communique la touma, ne reçoit la touma et ne peut la transmettre ensuite, l'impureté, qu'un ustensile ou un aliment, mais en tout cas pas une matière première à l'état brut. D'accord ? Par exemple, si je prends de la laine à l'état brut, elle ne va pas recevoir l'impureté. Si je prends encore, un ustensile, un morceau de fer, il ne reçoit pas d'impureté. Si j'ai fabriqué un ustensile avec le fer, alors il va désormais recevoir l'impureté, communiquer ensuite l'impureté. D'accord ? Il faut nécessairement ce qu'on appelle un kli. Un kli pour recevoir l'impureté. Bien sûr, je vous ai déjà dit, je ne parle pas des aliments et des boissons, qui ont encore un autre statut, c'est un autre problème. Je parle spécifiquement des ustensiles. D'accord ? Maintenant, lorsque je veux purifier un ustensile ou même un vêtement, alors il y a deux procédés. Je peux soit le purifier concrètement, en le trempant en mikvé, en l'aspergeant, si ça a été une impureté de parce que ça communique avec un mort. D'accord ? Ou je peux encore, j'ai une autre solution, c'est d'annuler le statut d'ustensile de l'aliment. Par exemple, imaginez que j'ai un verre qui a reçu l'impureté. Mon verre de kidouche en argent, il a reçu l'impureté, c'est un matériau qui reçoit l'argent, qui reçoit l'impureté, il est devenu impur. J'ai la possibilité de le purifier, de quelle manière ? En lui faisant un trou, de manière à ce qu'il ne va plus pouvoir contenir. Étant donné que la fonction de l'ustensile, de cet ustensile de ce verre, est de contenir, s'il perd sa faculté de contenir, il a perdu son statut d'ustensile. D'accord ? Notion simple. Ça va être très utile, Bezrat Hashem, pour notre Mishnah. On commence maintenant à lire et traduire notre Mishnah. On commence simplement. Beged sheyatsa chutz laklaim, nichnas o mechabso bemakom kadosh. Notion qu'on a évoquée dans la Mishnah précédente déjà. Si on avait un vêtement, vous vous rappelez, on est toujours sur le pasouk de Vaikra, Perikvav, Mishnah, pasouk Raf, où là-bas on parle de deux possibilités. Soit du sang d'un khatat qui a giclé sur un vêtement, ou soit encore, le pasouk qui parle encore d'un ustensile qui a absorbé du goût de khatat parce qu'on a fait cuire un khatat dedans. Alors il y a des halakhot particulières. Pour le moment, ça porte sur la partie qui parle du vêtement qui a eu du sang. S'il y a une tache de sang sur un vêtement, la Torah m'impose de le laver bemakom kadosh, dans la Hazara. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas fait attention, je l'ai fait sortir en dehors de la Hazara? La Mishnah m'enseigne, beged sheyatsa chutz laklaim, s'il y a eu un vêtement qui est sorti à l'extérieur des limites du Beth Amikdash, de la Hazara, nichnas, tu le feras re-rentrer, ou mechabso bemakom kadosh. Et tu devras le laver dans l'endroit saint, c'est-à-dire dans la Hazara. Pour le moment, c'est simple. Ce qui se passe, c'est que maintenant, ça se complique. Nitma chutzeklaim. Une fois qu'il est sorti en dehors de la Hazara, là-bas, il a été impurifié. Or, je n'ai pas le droit de faire entrer quelque chose d'impur dans l'enceinte du Beth Amikdash. Alors, quelle solution j'ai ? Vous allez me dire le trempeau migvé. C'est faux, parce que si vous mettez un crampon au mikvé, vous allez laver le vêtement à l'extérieur du Beth Amikdash. Le mikvé, vous savez bien, il y a de l'eau, et l'eau, ça mouille et ça lave, d'accord? Donc, si vous allez tremper le vêtement au mikvé en dehors du Beth Amikdash, vous allez le laver à l'extérieur du Beth Amikdash. Or, la Torah, elle a insisté que d'être mechabes auto bemakom kadosh, de le laver dans le lieu saint, dans la Hazara. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a l'autre solution. Nitma chutz laklaim. Si le vêtement qu'on est à l'extérieur du Beth Amikdash, il a été impurifié, koro, il le déchirera. C'est-à-dire, il le déchirera, il prendra le vêtement et le coupera en deux, sans arriver jusqu'au bout. D'accord ? De manière à ce qu'il va perdre son statut de vêtement. Donc maintenant, il n'est plus impur.
puisque c'est plus un vêtement. Et ensuite, il le fera rentrer, Benichnas ou Mechabso Bemakom Kadosh. Il le rentrera à l'intérieur du Beth Amikdash et il le lavera ensuite. D'accord ? Pour le moment, c'est simple, c'est clair. D'accord ? Je reprends encore une fois, très simplement. Le vêtement, j'ai le devoir de le laver Bemakom Kadosh dans la Zara. Si je suis sorti, je dois re-rentrer. Si, lorsque je suis sorti, je ne peux plus re-rentrer parce qu'il est devenu impur, eh bien, débrouille-toi pour le rentrer malgré tout. Comment ? En annulant le statut d'ustensile, comme ça, le statut de vêtement, tu le coupes en deux. Donc, il est plus. Son impureté a été retirée. Et de ce fait, tu le rentreras au Beth Amikdash et tu le laveras Bemakom Kadosh dans le Nusa. On continue maintenant avec la suite de la Mishnah qui va nous parler maintenant du deuxième cas. Le cas où on a fait cuire la khatat dans un kli cheres pour le moment. La prochaine Mishnah sera de parler d'un khatat qui a été cuit dans un ustensile en métal. Pour le moment, on parle d'un kli cheres. Pour rappel, le kli cheres, l'ustensile en argile, lorsqu'il absorbe, il ne peut plus être cachérisé. Il faudra nécessairement le détruire. D'accord ? Donc, la Mishnah m'enseigne. Il faudra le détruire, mais de nouveau, Bemakom Kadosh. Alors, kli cheres she'atzar chutz klayim. Si on a un ustensile en argile qui est sorti à l'extérieur des klayim, des limites de la Hazara, qu'on appelait les klayim en rapport avec l'époque du Mishkan, où c'était des tissus, des toiles qui étaient appelées les klayim, des toiles qui séparaient, qui délimitaient la Hazara. De ce fait, même si à l'époque du Shlomo HaMelech, on a construit le Beth Amikdash avec de la pierre, on appelle malgré tout à l'extérieur des murailles, on appellera ça Chutz Klayim, comme c'était le cas au Mishkan. En tout cas, si on a un kli cheres, donc un ustensile en argile, She'atzar Chutz Klayim, qui est sorti à l'extérieur des limites de la Hazara, eh bien, dans ce cas-là, Nichnas Vechovro Bemakom Kadosh, tu devras le faire rentrer de nouveau dans la Hazara et le casser Bemakom Kadosh, le détruire Bemakom Kadosh. D'accord ? Pour le moment, tout va très bien. Maintenant, la Mishnah m'enseigne en nous disant Nitmar Chutz Klayim, si toutefois, lorsque le ustensile qui avait absorbé la chair du goût du Khatat, il est sorti en dehors des Klayim. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, Nitmar Chutz Klayim, il a été impurifié à l'extérieur, lorsqu'il était en dehors des parois de la Hazara. Alors, Nokvo, eh ben, tu devras de nouveau lui faire un trou dedans, de manière à ce que le Klicheres, l'ustensile, va perdre partiellement, j'expliquerai pourquoi après, partiellement son statut d'ustensile. D'accord ? Donc tu as fait le petit trou. C'est plus un ustensile, c'est plus un verre qui est apte à contenir, à recevoir des liquides. Donc il a, son impureté a été retirée de la sorte. Et ensuite, Venichnas, donc tu le feras rentrer ensuite au Beth Amikdash. Bechovro Bemakom Kadosh. Et tu le casseras Bemakom Kadosh dans le lieu saint, dans la Hazara. Maintenant, j'apporte une précision très importante. Rabbi Tanoura nous rapporte que dans le pasouk qui mentionne de casser le klicheres, la Torah elle a dit ve klicheres asher tevushalbo yishaver, l'ustensile en argile dans lequel a été cuit le khatat, il devra être brisé. La Torah a insisté sur, en précisant l'ustensile, qui a un problème technique. On ne doit détruire le klicheres, l'ustensile en argile, que lorsqu'il a encore son statut de kli. C'est-à-dire, si toutefois, il y a un morceau de cheres tout d'abord, un morceau d'argile qui a absorbé du goût de khatat, j'ai pas d'interdit de sortir ce morceau d'argile à l'extérieur du Beth Amikdash. De ce fait, on a un problème technique, selon le même principe. Si toutefois, lorsque le kli cheres, l'ustensile en argile, est en dehors du Beth Amikdash, alors qu'il a absorbé le khatat, si toutefois tu le casses à l'extérieur du Beth Amikdash, qui ne va plus avoir un statut d'ustensile, tu n'auras plus besoin de le rentrer à l'intérieur de la Hazara pour le briser de nouveau à l'intérieur. Il a déjà perdu son statut d'ustensile. Donc on a un problème technique dans la Mishnah. C'est que si tu vas percer l'ustensile, le verre en argile par exemple, tu vas le percer, eh ben, il va perdre son statut, puisque tu l'as percé pour qu'il devienne pur, il va perdre à présent son statut d'ustensile. Or, s'il a perdu son statut de kli, t'as plus d'intérêt, t'as plus de nécessité de le rentrer dans la Hazara pour le casser. Alors comment est-ce qu'on fait ? Bar Tanoura nous rapporte, au nom de la Gemara, il doit faire un tout petit trou, de manière à ce que l'ustensile ne va plus être apte pour contenir les liquides, mais il va être apte pour contenir d'autres choses dans un verre, à part des liquides. On peut aussi lui mettre dedans des graines, de manière à ce qu'elles ne vont plus tomber par ce petit trou. Donc l'ustensile, il a
était purifié par, en lui retirant son statut d'ustensile de contenance de liquide, mais il garde encore un statut d'ustensile de contenance des autres aliments plus épais, par exemple. D'un point de vue Minatora, il a perdu, il n'est plus impur. D'un point de vue Midrabanan, en théorie, il y a encore une impureté, mais Chachamim, ils ont dit cette fois-ci, c'est pas grave, ça suffira, tu rentreras avec dans l'Azara pour pouvoir accomplir la mitzvah de le casser franchement à l'intérieur de l'Azara. Donc je récapitule de nouveau. Sur le Klicheres, l'ustensile en argile, Klicheres, la Torah m'impose, s'il est absorbé, tu as fait cuire de la khatat dedans, tu devras le briser Bemakom Kadosh. Si tu l'as sorti, tu le rentres. Si tu l'as sorti, il est devenu impur, tu ne peux plus faire entrer l'ustensile tel qu'il est à l'intérieur de l'Azara. La solution sera de lui supprimer l'impureté sans lui supprimer franchement son statut d'ustensile. Le jeu, il est de faire un petit trou suffisant pour que le verre en argile ne va plus contenir les liquides, mais qu'il va quand même pouvoir contenir des petits solides. Donc il n'a plus perdu son statut d'ustensile, franchement. Juste suffisamment pour perdre son degré de Touma, d'impureté. Et après, donc tu le feras rentrer à l'intérieur de l'Azara, tu le briseras dans l'Azara. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.